Good morgen, Aleïd Anissus sera aujourd'hui le Lunishmat Rachel Rachel Bat Sarah, Janine Ruth Bat Fortune Mazal Fritan, Léa Chaya Bat Mazal Tov, Lucien Batraina et Claude Shlomo Ben Shalom si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah. Contactez les 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Gitin, Perek Bet Mishnah Hei, Akol Cheirin Lichtov et Taget, Afilu Cheresh Shote Vekatan, Aisha Kotev et Gita, Aish Kotev et Shovaro, Sheen Kiyum Aget Ela Bechotamav. Akol Ksheirin Lehavi et Aget, Chus Mecheresh Shote Vekatan, Vesuma Venochri. Deux sujets dans notre Mishnah, à savoir, il y a pour écrire un get lorsqu'on est loin de là. Il faut écrire le get et l'envoyer. Quelles sont les personnes qui peuvent écrire un get et quelles sont les personnes qui sont aptes à porter un get de l'étranger? Avec la première partie, c'est Akol Ksheirin Lichtov et Aget. Tout le monde est apte à écrire le get. Afilu cheresh shote vekatan, même si c'est un sourd ou un fou ou un enfant. Soit, il y a un très grand chidouche dans cette Mishnah en réalité, et en fait, cette Mishnah n'est pas du tout évidente, la limite énormément comme ce que relance le Bartanoura. On explique, on a déjà expliqué que le get, il faut l'écrire lishma, il faut avoir une intention. Or, on a une règle, en général, que cheresh shote vekatan, les sourds, on parle de sourds de naissance qui ne sont pas développés intellectuellement, Choté, celui qui a perdu la tête, bien sûr, et Katan, l'enfant, jusqu'à l'âge de 13 ans, ils n'ont pas de da'at. C'est-à-dire que, même s'ils sont capables sur le coup de faire attention à ce qu'ils disent, mais ils ne sont pas capables ensuite de rester concentrés sur un sujet, ils sont facilement distraits, on ne peut pas s'appuyer sur eux, sur leurs intentions, lorsqu'ils font quelque chose pour un adulte. Ça, c'est en temps normal, ça se retrouve dans plein de domaines, c'est à la chotla, un Katan il est même pas crédible, il dit rien. Tant qu'il l'a pas encore, il n'est pas encore assez mûr. Il peut être, même si concrètement, lorsqu'il va atteindre les 11 ans, 12 ans, il commence à être de plus en plus sage et réfléchi, et malgré tout, ça peut lui prendre d'avoir encore des... Il n'est pas fiable. Donc, ces gens-là sont, en théorie, ne peuvent pas faire des choses lishma, là où il faut une intention spéciale. Ils sont d'accord, ils sont capables de ne pas faire lishma. En l'occurrence, les tzitziot, ça touche aux tzitziot, faire des tzitzit. Vous donnez un enfant à faire des fils, c'est pas bon. Mais vous imaginez, vous avez un enfant de 12 ans qui sait faire les tissus, vous lui dites, tiens, fais-le. Et après, vous voulez le mettre sous talit. Ça marche pas, parce qu'il faut faire rentrer les tissus de l'ishma, et on ne se fonde pas sur le katan pour ce qui fait l'ishma. Pour le tissu, en vendez, si vous le commencez, vous faites les trois premiers trucs, alors là, vous pouvez les donner, c'est bon. Mais tu ne veux pas les trop tissus, mais en tout cas, c'est pour donner l'idée. Le principe du lishma, on ne se fonde pas sur le lishma. Alors maintenant, on revient sur le get. On a une grande difficulté. Dans ce cas-là, un enfant n'est pas apte à écrire un get, puisqu'il faut écrire l'ishma. Si on lui demandait de dessiner et qu'on s'en moque, qui a déposé l'encre sur le papier, même si l'encre, elle se renverse toute seule et qu'elle forme des lettres, même une imprimante, même quoi que ce soit, alors le katan, il aurait pu écrire, parce que le katan, c'est pas pire qu'un robot. Mais là, on a besoin de le faire l'ishma. D'ailleurs, si vous faites attention, on n'a pas parlé que Eved ve Goy, qui peuvent écrire un get, parce que réellement, un goy, il n'a pas le droit, il ne peut pas écrire le get non plus. Vous voyez, c'est écrit dans la Mishnah, c'est juste Cheresh Shote Vekatan. Normalement, on aurait dû dire Eved Vegoy. Comme ça va être la fin de la Mishnah, en l'occurrence, quand on va vouloir exclure des gens, on va dire le goy. Là, tu ne dis pas le goy. Parce que le goy, réellement, il ne fait pas l'ishma. Le goy, il n'en fait qu'à sa tête. C'est-à-dire que même si vous lui dites de faire une chose, il vous dira, oh, vous, avec vos histoires, et il fait ce qu'il veut. D'accord? Donc alors, là, on a une difficulté à comprendre comment c'est possible que le Katan va écrire un get l'ishma. Et la réponse sur ça. Alors il y a deux éléments qui sont évoqués dans la Gemara. La question c'est est-ce qu'il faut les deux, ou est-ce qu'un seul des deux, ou est-ce qu'il y a une marloquette entre les deux? C'est une longue sugya. Le Bartanoura, concrètement, il rapporte les deux, il faut les deux conditions à remplir. D'une part, tout d'abord, lorsque je vous ai dit qu'un enfant n'est pas capable de faire quelque chose lishma, au nom d'une femme avec une intention spéciale pour quelqu'un, c'est vrai, mais à 90%, pas à 10%, je m'explique. Lorsque sur le coup, je dis à un enfant, fais écrit avec intention pour Tata Françoise, qu'elle va divorcer, alors il est capable de. Il va, sur le coup, pendant les quelques secondes, il va m'écouter. Mais après, il risque d'oublier. Donc s'il y a un Gadol Omed Al Gabav, un adulte qui est près de lui et qui lui rappelle constamment de faire attention comment est-ce que tu fais pour Tata Françoise, alors là, dans ce cas-là, l'enfant, il pourrait écrire le get, en théorie. Ça, c'est un avis dans la Gemara. Et il y a aussi un deuxième avis qui nous dit que non, vous savez de quoi on parle, vous rappelez que dans la mission présente, on a expliqué que dans le get, il y a deux parties. Il y a la partie commune à tous les get, et la partie spécifique à telle femme.
Soit il y a le TOFES et le TOREF. Le TOFES, c'est le formulaire commun où il y a presque rien écrit finalement, il écrit plein de beaux mots, plein de belles formulations. Et le TOREF, c'est le nom du mari, le nom de la femme, et la date, et la phrase « Arad Megureshet Begedze ». Et là, il y a un avis qui nous dit que non, dans notre Mishnah, on ne parle que le Katan peut écrire ses tout le reste des phrases, mais pas ses phrases essentielles. Parce que ses phrases essentielles, ça devrait être un adulte qui va les écrire. Le Bartanor, il rapporte les deux conditions. Il faut un adulte qui est près du Katan, et on va lui permettre d'écrire que le Tofes et pas le Toref. Mais s'il y a un des deux qui n'est pas rempli, ça marche pas. Et malgré tout, le Goy, on ne pourra même pas le laisser écrire le Tofes, parce qu'en fait, c'est plus rapporté dans le Bartanor, mais la Gemara dit « Gazrinan Tofes à tout Toref ». Si tu vas permettre d'écrire à un Goy d'écrire le Tofes, même la partie minimale, alors on craint qu'ensuite, les gens ils vont commencer à se déterrer, et puis finalement à même permettre d'écrire le Toref. Ok ? Entre parenthèses aussi, si ça vous intéresse, le Tifret Israël, il rapporte qu'aussi, on ne peut pas donner un kouti, ou encore même à quelqu'un qui est Mechalel le Shabbat Befaresia, on ne peut pas lui donner aussi à écrire le guet. C'est pour la même raison. Et a priori, et a posteriori, ça marche quand même, d'accord? Sur le khatri là, mais Bedivet ça marche. Mais le Toref, voilà. Et ça, c'est la première partie de la Mishnah. Ensuite, la Mishnah continue en disant, sache qu'en fait, Aisha Kotev et Gita, Ve'aish Kotev et Shovaro. Sache qu'une femme, elle peut écrire son propre guet, et un homme peut écrire son chauvard. C'est quoi le chauvard? Le chauvard, c'est que... Un chauvard, en général, c'est quoi? C'est ce qui vient casser une dette. C'est-à-dire, je vous dois de l'argent, vous avez un shtar contre moi. Vous avez un contrat que je vous dois de l'argent, je vous dois 1000 shekels. Lorsque je viens vous payer les 1000 shekels, je rembourse ma dette, il y a deux solutions. La meilleure, la plus admise, c'est que vous me rendez mon shtar et moi je le déchire. Il y a des fois où le shtar vous ne l'avez pas sous la main, et dans certaines conditions, vous pouvez m'imposer de recevoir un reçu, et vous me donnez un chauvard, c'est ce qui vient casser la dette. C'est-à-dire que vous gardez en fait, vous gardez votre contrat que je vous donne l'argent, et moi, en retour, j'ai un reçu que le jour où vous allez me dire, hey, tu me dois 1000 shekels, je te dis, oh, je t'ai remboursé. D'accord? C'est le chauvard. Entre la femme et le mari, bien évidemment, le chauvard, c'est par rapport à la ktouba. C'est qu'une fois que le mari paye la ktouba, la femme, elle écrit le chauvard. Soit elle rend la ktouba, ou soit elle lui écrit un chauvard, là. D'accord? Si la femme ne rend pas le chauvard... Alors, maintenant, en théorie, donc c'est la femme qui doit écrire un chauvard au mari. La Mishnah vient de me dire que, sache que la femme, elle peut m'écrire le guet, et moi je le signerai. Et je peux écrire son chauvard, et elle le signera. Parce qu'en réalité, tout ce qui est écrit dans tout le texte en haut, c'est pas tellement important dans la mesure où She'en kiyuma get ela bechotamav, parce que tous les guets ou tous les contrats sont validés et ils reçoivent leur force, leur pouvoir, que par leur signature, lorsqu'on signe en bas. Ok? Donc en fait, c'est pas grave si ce qui a été écrit en haut, si ça a été écrit lishma, mais c'est écrit par la personne qui est vraiment pas du tout la personne adéquate pour la mission à faire. Si je divorce ma femme, elle écrit le guet, oui, elle peut écrire son guet pour elle lishma. Parce que ce qui nous importe, c'est qu'ensuite, il va être écrit l'Ishma, il n'y a pas de problème. Après, elle va me donner, c'est moi qui veux le faire signer. Je vais le signer par des témoins, et donc dans ce cas-là, c'est pas grave si le contenu elle est écrit par elle, et donc dans la mesure où c'est une adulte qui a du date et qui sait qu'elle écrit pour elle-même. À Kolok Sherin, maintenant, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est qu'on va s'intéresser à voir qui sont les personnes aptes à nous apporter le guet de Chutz La'aretz. À Kol Ksheirin, tout le monde est cachère pour écrire un guet. Figurez-vous que même une femme, et comme on verra dans la prochaine Mishnah même, dans deux prochaines Mishnayot même une femme qui en général pas cru sur cette propre femme, comme il y a des cas qu'on évoquera plus tard, ben cette fois-ci elles pourront même apporter le guet. Et même si c'est des gens qui ne sont pas aptes à témoigner, Chutz a une exception du Cheresh, Shoteh v'Katan, le sourd, le fou ou l'enfant. De nouveau, ils n'ont pas de date. Vesuma est l'aveugle. Venochri est le goy. C'est quoi? De quoi on parle exactement? On parle en réalité d'apporter un guet de Chutz La'aretz. Lorsqu'on apporte le guet de Chutz La'aretz, pas que, attention, non, deux minutes. Je fais une petite amalgame, parce qu'il y a deux parties dans le Mishnah. Alors, une seconde. De la Venedea, Veshlichot Nino. Ouais. Alors, pour les
Khereshot et Katan, ils peuvent jamais apporter un guet. Pour quelle raison ils peuvent jamais apporter un guet? Parce que nommer une personne pour divorcer, si je, moi je suis en Amérique, j'envoie mon guet en Israël pour que on divorce ma femme ici. La personne que je vais nommer, ça doit être une personne responsable. Pire que ça, c'est lui qui va actionner les Girushin. Donc il doit lui être sûr, assuré qu'il a été nommé par moi, pour ensuite donner le guet à ma femme. Un enfant, il n'est pas capable de faire cette mission, c'est une mission beaucoup trop... qui demande du date. Il n'a pas de date. Ça, c'est la première partie. Maintenant, Souma et Nochri, l'aveugle et le goy, eux, alors le Nochri aussi, il a la même raison. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas saoul? Il n'est pas saoul parce que, concrètement, il peut pas être chaliach. Il y a une grande règle. Celui qui est apte à faire une chose elle-même, s'il est concerné, celui qui est concerné par une chose, il est apte à faire la chose en tant que chaliach, en tant qu'émissaire. Soit un goy, ça existe qu'un goy, il divorce une femme ou qu'il marie une femme? Non. Puisqu'un goy ne peut pas marier une femme ou divorcer une femme, il ne peut pas non plus être chaliach pour marier ou divorcer une femme. Ouais. À la différence du souma, l'aveugle, qu'est-ce qu'il a le pauvre? Le souma, c'est un bon juif, cachère, il n'y a aucun problème. Mais il y a un problème technique. On parle là cette fois-ci d'un aveugle qui vient de Khoutz-Laretz. Et qui doit dire quoi? Befanaï nirtav ou befanaï nirtav. Devant moi, ça a été écrit, devant moi, ça a été signé. Or, le souma, il ne peut pas assurer qu'il a vu qu'elle a été écrite et signée devant lui, puisqu'il ne voit pas le pauvre. Réellement, comme on verra dans la prochaine Mishnah, si jamais il a vu, quand il était là-bas, il voyait, et aujourd'hui il arrive, il ne voit plus, il peut donner le guet, il n'y a aucun problème. Parce que Souma, c'est un juif, tzadik, kacher, il n'y a aucun problème, il n'a aucun problème, il a sa tête qui fonctionne tout à fait normalement, même parfois même mieux que les autres, souvent même. Et mais le pauvre, ce qu'il a, c'est qu'il ne peut pas témoigner, qu'il a vu qu'il a été écrit et signé devant lui. C'est pour ça que le Souma, il n'est pas seul. Ça veut dire qu'en fait, si je récapitule, il y a... Tout le monde peut apporter le guet, à l'exception du Khereshot avec Katan parce qu'ils n'ont pas de da'at. Le goy, c'est parce qu'il n'est pas apte lui-même à marier ou divorcer une femme, donc il ne peut pas être nommé chaliach pour faire la même chose. Et Souma, le problème du Souma, c'est parce qu'il ne peut pas témoigner, c'est on parle d'un Souma particulièrement qui vient de Khoutz Laaretz, qui doit dire en théorie, Befanaï Nirtav Mirtav, et là, il ne peut pas témoigner parce qu'il ne voit pas. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine, Hatzlacha Kol Tov, Salah.